Bonjour à tous, Jean-Paul des Silo Uto, petite vidéo de rappel sur l'irrigation du soja et les punaises. L'irrigation du soja en fin de cycle va vous amener du rendement, des protéines et de la qualité. Même si vous avez des ronds qui commencent à sécher, n'hésitez pas, à jaunir, n'hésitez pas à faire un dernier tour d'irrigation. Derrière nous, il y a un pivot. Un pivot, on favorisera plutôt les tours entre 4 et 5 jours en mettant 20-25 mm que de resserrer les tours et de mettre que 10 ou 15 mm. Cela évitera le sclérotinia. L'enrouleur, évidemment, quitte à le dérouler, on met 30 mm, 25, 30, voire 40 dans les sols qui le supportent pour écarter les irrigations et ne pas favoriser la maladie du sclérotinia. Les punaises. On a une année à forte pression de punaises comme en 2021. Les gens qui n'avaient pas traité en 2021 l'avaient payé cash. Les punaises se mettent autour des gousses, font un trou, pompent la sève des grains. Donc on a moins de rendement, moins de qualité. Et en plus, l'eau, quand on irrigue ou quand il pleut, rentre par ces trous. L'eau rentre à l'intérieur de la gousse. Et les graines pourrissent. Le traitement des punaises est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas parce qu'on écrase un peu de soja. Une rampe de 24 mètres écrase entre 1 et 2% de soja. Avec le traitement des punaises, on pourra y mettre le kashi, acide aminé libre, 18 euros l'hectare. C'est pas un investissement très lourd. Et je vous confirme que le kashi est un très très bon produit. On l'a essayé sur le kiwi, sur les asperges. Et quand on arrive à faire bouger des plantes pérennes, on peut se dire que les cultures annuelles, ça ne peut être que positif. Voilà. La pyrale, on augmentera un peu la dose de caratésium pour contrer la pyrale. Ici, sur le secteur jaune de 4, on est tranquille. Par contre, il y a certains secteurs, je pense aux 47, qui ont une très très forte pyrale. N'hésitez pas à traiter les pyrales et les punaises. Ça sera un gain de rendement, un gain de qualité et tout le monde s'y retrouve. Je vous souhaite une bonne journée. Mettez-vous à l'ombre cet après-midi et comme dit souvent celle qui nous donne la météo à la télévision, prenez soin de vous.